Bonsoir à toutes et à tous. À événement exceptionnel, émission exceptionnelle. Je présenterai ce soir l'émission avec José Mora Dubec. Bonsoir José. Bonsoir. Pour nous accompagner, nous aurons donc Guillaume Garanchon et Dominique Kieffer. Bonsoir Bonsoir. messieurs. Bonsoir. Et je parlais d'événements exceptionnels, donc nous avons été convoqués par le président du club James Bond et son vice-président Jessie Konjac, qui vont nous parler d'un événement exceptionnel qui n'est jamais arrivé auparavant. C'est une émission exceptionnelle. Bonsoir, monsieur le vice-président et monsieur le président. Bonsoir, messieurs. Bonsoir à tous, bonsoir ce bon peuple de France et de Belgique et de Suisse. Et de Suisse. Bonsoir, bonsoir. Alors, bonsoir. Alors, oui, effectivement, je parlais d'événements exceptionnels et je crois que le mot est peut-être même faible. On va parler de l'interview que Barbara Broccoli et Michael J. Wilson vous ont accordé au Club James Bond France et plus particulièrement à toi, Luc, en tant que président. Et donc, du coup, on va en parler un petit peu parce qu'on va découvrir cette interview. Alors, on en reparlera bien plus tard sur Bon Baiser de France, l'événement du Club James Bond, où il reste des places. Il est prudent de réserver. Il nous en reste quelques-unes. Donc, vous pourrez découvrir cette superbe interview ce jour-là et uniquement ce jour-là, mais notre président va vous en parler beaucoup mieux que moi. Donc, on va revenir un petit peu sur cette interview exceptionnelle. Et je vais commencer par poser la première question, Luc. Mais comment as-tu réussi à être invité à Own House par Barbara Broccoli et Michael J. Wilson? Je pense qu'on est tous un peu impatients de savoir comment tu as fait. À part un charme indescriptible, je ne vois pas la vraie raison. Mais ça, on n'en doutait pas. Voilà. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça fait des mois, hein, Jessie peut en témoigner, et tous les amis du bureau, y compris toi, Damien. Ça fait des mois qu'on travaille sur cet événement, qui devait d'abord être en septembre, mais puis on avait un peu booké l'UNESCO, hein, carrément, hein. On n'a pas hésité. Et puis, l'idée première, et on l'avait annoncé à l'Assemblée générale l'année dernière, non, à la réunion du mois d'octobre, Mais il y avait eu donc de l'Assemblée cet générale en octobre. même temps, Luc. Oui, tout à fait. Donc, à cette réunion, on avait dit qu'avec Laurent Perriot, qu'on allait trouver une invitée, mais quelque chose qui cogne. Et l'idée, en fait, c'était, dès le départ, c'était d'inviter Barbara Broccoli, ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, et puis au bout d'un certain temps, on a eu une réponse qui nous a tous surpris en nous demandant pourquoi vous n'invitez que Barbara et vous n'invitez pas Michael. Waouh! Là, on se dit, attends, ils sont d'accord pour venir. Ça, déjà, c'est un premier signe très, très fort parce que jamais, 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 Barbara ou Michael ou quelqu'un d'autre de chez Eon s'est déplacé à un événement, quel qu'il soit dans le monde, fait par des fans, etc., etc. Donc, partant de là, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges, des visioconférences, des choses comme ça. Tout ça pour dire que de toute façon, ils ont eu un mal fou à faire matcher les deux agendas de Barbara et Michael pour qu'ils soient en même temps à Paris à un jour donné. Et on leur avait dit, donnez-nous une date, nous on se débrouille après. On trouvera l'endroit, on trouvera le truc, mais il faut juste que vous donniez une date et ça, ils étaient incapables de nous le donner. Donc, à un moment, on a imposé un petit peu Bon Baiser de France, le bateau sur la Seine, le 9 octobre, etc. Et là, bien sûr, il n'était pas disponible. Et j'ai reçu, d'un seul coup, il y a 2 mois à peu près, 1 mois et demi, 2 mois, je reçois un coup de fil de chez Eon, Stéphanie Wenborn, qui est la directrice de la communication et de la publicité dans le monde. Hein. Stéphanie, pour ceux qui savent qui c'est pas n'importe qui, c'est un peu c'est elle qui veille au gras. Hein. Le C'est très Cerbère de la joli. porte, moi, on m'a déjà dit. Le Je ne sais Cerbère pas de la si le terme est porte. approprié, mais... Très souvent, ça ne passe pas parce qu'elle laisse rentrer personne. Une très belle femme qui sait être charmante, mais quand c'est non, c'est non. Moi, j'ai vu des mails d'elle où elle est très claire et il n'y a pas un mot en trop, il n'y a pas une conclusion hasardeuse. Ça tient en 2 lignes et ce qu'elle a à dire, elle le dit et c'est bien. Et Donc toi, donc, t'en rajoutes pas une. elle m'appelle et elle me dit, on va vous inviter à venir à Londres, on va vous donner une date. Pour faire une interview de Barbara et Michael. Je vous rappelle, je vous tiens au courant. Bonne journée, Luc. À bientôt. Pouh, terminé. Je me souviens parfaitement où j'étais. Il faisait une chaleur de gueux, toute fenêtre ouverte, la clim à fond. Enfin bon. Je dis, waouh, mais qu'est-ce qui leur prend? Où est-ce qu'ils vont? Et bon, qu'est-ce qu'ils veulent? Et en fait, ils étaient très attachés au fait de venir pour les 60 ans.
en France, qui pour l'instant, vous m'arrêtez si je me trompe, ça a l'air d'être le seul événement James Bond qu'il va y avoir pour les 60 ans. Peut-être des projections à droite à gauche et tout, mais enfin bon, ça s'arrête là. Et donc elle me dit, je reviens vers vous très vite pour… Donc elle revient, pas très vite, ça ne revient jamais très vite, Léon. Donc elle revient vers moi pour me proposer une date, et puis après ça change de date, etc. Bon, bref, en attendant, il faut être à Londres à 14h, donc c'était le 22 septembre, hein, de mon mois. Donc voilà, c'est tout. Et ça se lance comme ça, et c'est comme ça que Éon, d'un seul coup, Éon Productions vous dit venez chez nous et on s'occupe de monter une équipe, parce que je demande si je dois emmener un caméraman, parce que je dis, autant essayer d'emmener un ou deux copains dans le truc, ça peut être… Non, vous venez seul, il y aura une équipe qui sera là pour vous recevoir et pour assurer la technique. Voilà. Et donc, je mets ma plus belle chemise, je mets une jolie veste, on fait des questions avec Frédéric Albert Lévy, qu'on transpose en anglais, que j'apprends par cœur, etc. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à aller à Londres et voilà. Et c'est comme ça que ça s'est monté. C'est vraiment un remerciement du club. Alors peut-être pour notre œuvre en général, mais je vais y revenir tout à l'heure. Mais aussi pour dire, désolé, on vous a fait croire qu'on pouvait venir, on ne vient pas, mais on va quand même vous faire un cadeau. C'est quand même un vrai cadeau qui t'ont fait et qu'ils ont fait au club. C'est, comme tu disais, c'est peut-être pour l'ensemble de l'œuvre, en fait, on va dire. Parce que c'est vrai que ce jour-là, on va pas fêter que les 60 ans de Bond. J'imagine qu'on va fêter aussi tes 25 ans de présidence, si je me trompe pas. 20 ans de club. 20 ans de présidence. Ah, excuse-moi, c'est 20 ans de présidence et 25 ans de club, excuse-moi. Donc oui, effectivement, je pense que c'est aussi pour l'ensemble du boulot qui est fait depuis longtemps. Alors, je ne sais pas, Dominique ou Guillaume, est-ce que vous avez une question à poser par rapport à cette interview au déroulé? Comment ça s'est passé, Dominique, peut-être? Est-ce que, Luc, dis-moi, est-ce que j'imagine qu'ils avaient déjà notion du travail que faisait le club? Est-ce que tu avais déjà eu des retours sur le regard qu'avaient Michael J. Wilson et Barbara Broccoli sur les activités du club? Est-ce que tu as pu en reparler avec eux? Et qu'est-ce qu'ils t'en ont dit? Est-ce qu'ils ont été impressionnés par la qualité des activités du club? Alors c'est une super question que tu me poses. Parce qu'à un moment, vous allez le voir dans l'interview, c'est la quatrième question que je leur pose. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces clubs qu'il y a? Alors, je dis un petit peu partout dans le monde, c'est quand même très, très exagéré. Hein. Aujourd'hui, moi, j'en vois trois, peut-être un 3,5 avec des gros blogs ou MI6 ou des choses comme ça. Mais bon, mais ce n'est pas véritablement un club, quoi. C'est surtout un site internet et puis un magazine qu'il faut acheter comme le nôtre. Mais voilà, et ils ont été très enthousiastes dans leur réponse de dire que ces clubs-là, c'est très important pour eux. C'est la base fondamentale sur laquelle ils appuient leur action. Et tous les films qu'ils font, c'est pour les fans, c'est pour les gens qui aiment James Bond. Barbara est très enthousiaste sur le sujet. Et elle dit, ce que vous faites en France, c'est formidable. Elle a cité nos amis suisses par rapport à leurs événements. Donc, ils connaissent tout ça. Ils nous regardent. Il ne faut pas croire que du haut de leur mirador, ils sont en train de gérer uniquement leur saga, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils vont faire. On va y revenir tout à l'heure peut-être. Mais bon, voilà, ils savent très bien où on est. Nous, en plus, on envoie nos publications. Je savais déjà que quand les paquets d'enveloppes arrivent, on met 5 publications à chaque fois, sur le monde, hein, pas archive. Hein. L'archive, on n'en voit qu'un seul. Ils m'ont dit… une autre fois, c'était en 2016, quand il y a eu l'expo à la Villette, qu'ils sont très contents quand cette enveloppe arrive, parce que tout le monde veut voir, ils ne parlent pas français, peu importe, mais ils veulent voir ce qu'on a mis dedans, et chacun sur son bureau a un ou deux exemplaires du Le Monde. Donc, ils connaissent très bien, et on est peut-être les seuls à avoir cette attitude avec eux. Je veux dire, il faut oublier une chose, on est association, on n'a aucun droit, on utilise des photos à tire-larigot, on ne demande rien à personne. On met juste un petit texte à la fin du Le Monde pour dire, et on s'excuse par rapport aux ayants droit, mais voilà, c'est une association, but non lucratif, etc. etc. Donc, ils aiment ce qu'on fait, ils aiment les… Et à un moment, on le voit dans l'interview, je,
je leur dis, mais ça ne vous choque pas qu'il n'y ait pas un club en Angleterre? Et si, et Barbara, elle est catastrophée. Vous allez voir à sa tête, elle est catastrophée. Et je lui dis, ben, si vous voulez, j'en monte un. Elle me dit, oui, ça serait une bonne idée, elle fait comme ça. Bon, voilà. C'est, bon, je vous rassure, on ne va pas monter un club en Angleterre. On va y revenir le 9, on va annoncer quelque chose sur ce sujet. Mais bon, voilà, ils sont très enthousiastes par rapport à ça. C'est vraiment une bonne note pour nous, parce qu'on est très actifs, on a ces magazines qui sortent très régulièrement, on n'a jamais raté un. On en fait même un peu plus, puisqu'il y a hors-série qui va sortir. Donc voilà, il se passe des choses, et ils le voient, ils le sentent, et ça me plaît beaucoup. Ok. Guillaume, tu as une question peut-être pour le président? Oui, alors moi, c'est une question qui est peut-être un peu plus, je sais pas, sur la logistique en tout cas. C'est comment et en production, Luc, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu peux nous faire vivre un petit peu ce que tu as vécu, la façon dont on t'a accueilli, ce que tu as... Voilà, c'était quoi tout ce qu'il y avait autour de cette interview finalement? Alors, oui, alors je vais juste faire un petit retour en arrière. Donc, quand je suis arrivé à Londres, j'avais convenu avec un garçon que vous connaissez peut-être qui s'appelle AJ Shobiori, qui a écrit ce bouquin A Kind of Hero, l'espèce de pavé sur 007, où il y a même, je crois, un update qui a été fait il n'y a pas longtemps. Et j'avais convenu avec lui de manger Planète Hollywood, Hard Rock Café, qui est juste à côté d'Eon. Les deux bâtiments sont collés. Et bien sûr, il me dit oui. Et donc, on s'installe tous les deux. Et il me dit, ça va, t'es pas trop nerveux? Je lui dis non, je suis assez cool, je me suis bien préparé. J'ai appris les questions, tout. Bon, voilà, OK, les interviews, j'en ai déjà fait, mais bon, oui, c'est vrai que c'est le gros truc. Et là, il marque un temps d'arrêt et il me dit, je vais t'expliquer quelque chose. On est beaucoup de fans anglais. Il a été responsable à un moment du grand club anglais à sa grande époque. Il était éditeur. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond par rapport à nous, mais il était sûrement en charge des publications. Il dit, ça fait des années qu'on est plusieurs garçons à faire des bouquins, des magazines de fans. Quand un bond sort, les télés nous tombent dessus, on fait la promotion du truc, on va à la première, on achète les billets d'une vraie fortune, etc. Mais il dit jamais, 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 on a été invité par Barbara et Michael pour les rencontrer et pour faire une interview. Ça n'est jamais arrivé. Et il faut que ce soit vous, les Français, même avec la qualité du boulot que vous faites, qu'on admire et qu'on respecte, il faut que ce soit vous, les Français, qui venez chez nous pour les rencontrer et ils demandent à vous voir. Et il dit, on est tous sur le cul, on n'en revient pas. Et là, d'un seul coup, j'ai senti une pression que je n'avais pas du tout avant d'arriver. Moi, j'étais bien détendu. Et j'ai dit, ouais, merde, c'est... Il me dit, ça n'est pas arrivé à aucun d'entre nous. On a été des fois, on a reçu des lettres d'avocats ou des choses comme ça, mais il dit être invité amicalement pour faire une interview, ça n'existe pas. Donc, quand j'ai sonné, alors donc, bon, on a fini de déjeuner, du coup, je l'ai invité parce que merci de m'avoir mis la pression, je t'invite. Oui, c'est ça. Et il est venu avec moi jusqu'à la porte, et il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit, bon, allez, bon courage. Bon courage. On a rigolé, mais quand j'ai sonné et qu'on m'a dit de demander, oui, allô, oui, bonjour, c'est Luc Leflèche, j'ai rendez-vous avec Stéphanie Weinborn, et que la porte s'est ouverte, j'ai fait, waouh. Bon, et là, je suis rentré. Alors, pour répondre à ta question, la façade du 138 Piccadilly, elle n'est pas très large. Hein, c'est un truc qui fait, je dirais, 10-12 mètres. C'est pas un grand immeuble, pas large du tout. Mais quand je suis rentré dedans, c'est une cathédrale. C'est un truc de dingue. À mon avis, ils ont dû prendre sur les bâtiments autour du restaurant qui est à côté et puis de l'autre immeuble, parce qu'il y a un escalier mais monumental sur 3-4 étages, je pense. Il n'y a rien sur les murs. Je m'attendais à avoir des grandes affiches, des photos rares, des trucs. Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Il y a 5-6 sociétés du groupe E.ON, Danjack, etc., qui sont affichées à l'entrée. Il y a une jeune fille très jolie à l'accueil qui demande si vous voulez un café, enfin bon, voilà, comme dans n'importe quelle société, on va dire. Et puis là, d'un seul coup, vous avez Stéphanie Weinborn qui arrive, donc qui est cette femme, comme on disait tout à l'heure, qui est dure, qui est, voilà, elle est là pour surveiller le truc, qui écarte les bras, qui me prend dans ses bras et qui me fait la bise.
Ah, le truc. Ah, au moins, ils savent accueillir. Alors, ouais, alors quand tu es accueilli comme ça par Stéphanie Wedborn, tu te dis, tu as fait un grand pas pour l'humanité. Parce que franchement, ce n'est pas un truc que j'ai vu. Je la connais, je l'ai déjà vu. Mais et on s'écrit, on a pas mal échangé. Et quand tu as quelque chose à me dire, le mail, je vous rassure, vous prenez dans la gueule, c'est un truc de dingue. Mais voilà, quoi, ça me fait plaisir de vous voir, Luc. Merci de vous être dépassé, vous avez fait bon voyage et elle me fait la bise. Donc, c'est deux bises en Angleterre, je vous rassure. Et là, ben, D'accord. suivez-moi, on va aller vous installer. Et là, je descends au sous-sol. Donc, pour finir de répondre à ta question, c'est assez sobre. Il paraît, mais moi, je ne suis pas monté dans les étages, qu'il y a une salle qui est un peu réservée pour les gros contrats, les trucs comme ça, où là, il y a une décoration bonde avec. Quelques props, mais c'est pas un immeuble où ils ont stocké toutes les collections qu'ils peuvent Oui, avoir. Tout bien ça, sûr. c'est dans un hangar dans la banlieue londonienne et y a pas grand. Mais c'est très sobre, c'est très beau, c'est crème, c'est très large, c'est cet escalier qui bouffe tout l'immeuble. Je pense qu'il y a des bureaux un petit peu partout, mais c'est pas. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à un truc beaucoup plus intimiste, beaucoup plus family. Voilà, c'est un peu ça que je voulais D'accord. dire. Mais C'est comme une ruche un petit peu, il y a beaucoup de monde qui circule Non, dans il n'y cette avait tour. personne. Il n'y avait personne. Mais je vais vous dire tout à l'heure, d'un seul coup, il s'est passé quelques jours. J'ai dit, ah oui, ils sont quand même beaucoup ici. Parce que quand je suis descendu donc dans le sous-sol, premier sous-sol, où là, ils ont une salle de projection, je dirais d'une cinquantaine, soixantaine de places. Et là, je vois une équipe technique qui est là. Ah, bon, quatre personnes. Bon, bonjour, jeune fille qui vient me voir. Ben on va vous installer un micro, vous assurez là. Barbara et Michael se mettront là. Bon, d'accord. Donc, il y a un caméraman, un éclairagiste, un preneur de son et cette responsable qui s'occupe aussi du maquillage. Et bon, moi, il ne me maquille pas parce que je ne suis pas à l'écran. Et je lui dis, mais vous avez fait ça toute la matinée? Vous avez reçu des gens? Il me dit, non, 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 pas du tout. Ben, vous en recevez après moi parce qu'il était 14 heures. Donc, je me dis, tiens, il y en a un autre à 15 heures. Elle me dit, non, il n'y a que vous. D'ailleurs, on n'a pas bien compris qui vous êtes. C'est comme ça. Ben, je suis le président du club James Bond France. Ah, d'accord. Rien à foutre. Hein. Ah bon, d'accord. Enchanté, bravo. Et donc, il y a un mec qui vient, qui m'installe un micro HF, etc. Et je m'assois et j'attends. Et là, 3-4 minutes après, il y a Barbara qui arrive. Oh, Luke, such a pleasure to see you, machin. Et elle me tombe dans les bras et que je te fais la bise et tout ça. Bon, c'est. Alors Barbara, je la connais un peu plus. On a quand même présenté ensemble en 2015 l'arrivée de Craig et de toute l'équipe. Le spectre. Paris, voilà, Spectre. Je l'avais vue pour Casino Royale. De temps en temps, une fois, deux fois par an, bon anniversaire, bonne année, elle répond toujours. Bon, voilà, mais c'est pas, on n'est pas amis de 30 ans, quoi. Et elle arrive, elle me fait la bise, comment ça va, et machin. Michael arrive un petit peu après, à petits pas, il me salue, et ils s'assoient tous les deux, et on leur met pareil les micros HF, et voilà, quoi. Et donc, un sentiment de. On est content que tu sois là. C'est quelque chose de fort, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, tous les cinq, c'est des moments rares, uniques, inespérés. Jamais j'aurais pu imaginer un truc comme ça. Et puis surtout, dernier point, il a fallu 20 ans pour arriver là. Il a fallu 20 ans. C'est donc un moment, il y a un vrai projo qui est sur vous, sur ce que vous faites, sur ce que vous publiez, sur ce que vous dites, etc. J'avais eu un mail une fois de remerciement pour Quantum of Solace, quand c'était mal barré à la sortie du film. Sony à l'époque m'avait réservé des créneaux dans différentes chaînes de télé où j'allais dire que le film était bien. Voyez où on en était. Et j'avais reçu un mail d'Éon, de Barbara, pour me remercier de tout ce qu'on fait en France pour le bien de James Bond. Donc voilà, il y a un moment, c'est ce que j'avais dit à Jesse dès que je suis sorti, il est le premier que j'ai appelé, et je lui dis, écoute, on fait partie de leur famille. On parle de la Éon Family et tout ça et machin. Bah écoute, on est le cousin éloigné qui est venu les voir. Ils étaient ravis de l'accueillir et c'était chouette. Ouais. C'était vraiment chouette parce qu'on aime ça, parce qu'on est fan et quand on connaît ces gens-là, bah on se dit que
Wow, d'être un peu dans leur papier. Ça ne va rien nous apporter pour demain. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on va pouvoir louer un bus et aller sur le tournage du prochain film. Non, non, on n'en est pas là. C'est que voilà, ils savent qu'on est là, ils savent que ça leur plaît, ils le tolèrent, ils pourraient nous emmerder à tous les virages, ils ne le font pas. Bon, voilà, c'est peut-être le plus important. En même temps, vous faites un boulot sensationnel. Hein. Enfin, je veux dire, toute l'équipe dirigeante du club, les bénévoles que vous êtes, je veux dire, Jessie, Eric, toi, enfin, la trésorerie, le secrétariat, c'est quand même un travail de fou. Donc, c'est bien et c'est beau que finalement, de par cette invitation, de cette interview qu'on vous accorde, vous soyez remercié, entre guillemets, de ce que vous faites, parce que vous faites quelque chose. D'ailleurs, vu de l'extérieur, vous faites C'est vrai, vraiment quelque chose. c'est pas à moi de le dire, mais bon, oui, Moi, c'est vrai. Moi, je le dis en tout cas. justement, Mais une fois. tu sais, c'est ce que me disait Edger en entrée. Il dit, ça fait des années, peut-être même plus longtemps que nous, on s'emmerde à promouvoir leurs trucs, à faire des bouquins, des machins, des trucs. Jamais ils nous ont invités. Les Suisses, qui ont 25 ans comme nous, 26 ans même, à moindre échelle. Un tout petit peu plus petit que nous, mais avec un magazine par an, de très beaux événements. Tous les événements suisses sont très. Les Allemands, ils se bougent le cul aussi, mais bon, voilà quoi. Ça n'a pas l'impact qu'on a nous avec le monde. C'est le monde qui joue pour beaucoup, j'en suis certain, et nos événements, bien sûr, mais le monde, il joue pour beaucoup parce que aujourd'hui, avec MI6, c'est le seul magazine qui existe tel que nous on le conçoit. Les Allemands, les Suisses ont préféré tout mettre dans un truc par an, qui est une espèce de moitié d'archives. Voilà, c'est un peu différent. Et du coup, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Les Allemands, les Suisses, ils veulent qu'on se parle parce que il n'y a pas de raison, quoi. Je veux dire, on peut essayer d'uniformiser un petit peu notre façon de faire. Et je vais arriver avec un projet très concret pour vous, mais ça, je vous en parlerai plus tard. José, je crois que tu voulais dire quelque chose. Oui, j'allais dire, moi, d'un regard vraiment très très extérieur, avant de synthétiser un petit peu pour les profanes, parce que ce soir on est quand même en double simultané avec une chaîne spécialisée dans James Bond qui est la nôtre, Planète 007, et une chaîne plus généraliste qui est celle de Damien et de Guillaume qui est Planète Ciné. Donc, où on a vraiment des auditions et des auditeurs un petit peu différents. Situer un petit peu qui est Michael J. Wilson, qui est Barbara Broccoli. Et j'aurai l'occasion de préciser un petit peu la biographie des uns et des autres. Mais je pense que, et je vais aller un petit peu au-delà de ce que vient de dire Luc, qui est très juste au demeurant, et je pense que l'ensemble des communautés, quelles qu'elles soient francophones, britanniques, australiennes, allemandes, américaines, etc., elles ont toutes quelque part participé, ici ou ailleurs, aujourd'hui ou hier, à la renommée de ce que sont capables de faire les fans quand ils sont réunis. Je veux dire, je pense à l'ancien Bondage américain, je pense naturellement à James Bond Magazine, je pense aussi à Bond Mag à l'époque de Jérôme Nico, etc., à l'époque du club, feu le club de dont son nom m'échappe. Nico Perriot, oui, bien sûr. Voilà, non, mais bien avant Non, ça, Dominique, aide-moi, bien avant. ah, pardon, Jean-Marc Pallant, merci. auquel j'ai été, celui de Nico, c'était le club, c'était tout Voilà. simplement le club du monde. Oui, c'est Moi, j'ai eu l'occasion de voir depuis 1992 différents clubs, etc. Et je pense qu'on a tous participé à différentes époques, à différents niveaux, bien sûr aussi, à différents moyens, parce que les moyens d'hier et ne sont pas forcément les moyens d'aujourd'hui, parce que les archives d'Eon se sont ouvertes massivement, parce qu'on a eu accès à l'Internet. Je pense que tout ça est une globalité. Et ce que je veux dire par là, c'est que je veux dire, la reconnaissance d'Eon Productions par rapport à notre rôle, tous et toutes de fans, n'est pas due au fait d'un club ou d'une personne en particulier, mais d'une globalité, tout simplement d'une histoire. Parce que finalement, sans nous les fans, je ne dis pas que la franchise n'existerait pas. Je pense qu'elle aurait eu le même succès, voire peut-être plus, ou peut-être moins, on ne sait pas, je ne lis pas l'avenir, peu importe. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut voir surtout l'approche qu'on a tous en tant que fans, ce qu'on a pu tous apporter à notre niveau, c'est-à-dire essayer d'enrichir les connaissances des uns et des autres, et ça me semble quelque chose d'extrêmement important. Moi, j'aimerais juste rebondir en disant que je pense que de toute façon, où tu as raison, c'est que de toute façon, et là, on voit bien, c'est qu'à la différence, ils n'ont pas invité d'autres présidents pour Bien l'instant de sûr, bien clubs sûr. étrangers.
Je pense qu'effectivement, on n'est pas en train de parler des différents clubs ou formats ou associations ou congrès. Je pense quand même que globalement, et comme disait Luc, peut-être je peux me tromper, mais Luc nous répondra sur ce sujet, mais il disait, à son sentiment, c'est que le Bond, vraiment, ils se le distribuent entre eux, ils sont impatients peut-être limite bien de sûr. Le voir, de voir ce qui s'y marque. Donc globalement, je crois quand même que c'est la récompense du travail qui a été fait quand même depuis, je dirais même maintenant, bah, plusieurs décennies, hein, quand on a déjà deux décennies. Exactement, et justement, Damien, ce que tu pointes du doigt est très intéressant, parce que historiquement, qu'on le veuille ou pas, le club James Bond France reste quand même celui qui a duré le plus longtemps dans le temps. Ce qui n'a pas été le cas des autres clubs. Et peut-être que justement, la longévité fait la reconnaissance. Et la qualité du travail. Et la qualité aussi, bien sûr. Non, mais c'est donc Luc. On a une ambition en France que je partage avec. Vous lirez dans l'édito de Le Monde hors série qu'on va offrir donc, à tous ceux qui viennent sur le bateau, hein, pour être tout à fait clair, où je fais un récap. On a deux éditos. Il y a l'édito de Rodiac et l'édito de mon édito, où moi je reviens sur une période plus actuelle et Pierre sur comment il a monté ce club en 97. Mais c'est vrai qu'on a une continuité et on a une ambition grandissante. Je ne sais pas jusqu'où on va aller, parce que ce qu'on va vous faire dans trois semaines, c'est quand même nucléaire. Et je dis toujours, on ne fera jamais mieux, mais apparemment, on se surprend à chaque fois. Mais ça, il le voit, c'est ça. On se demande toujours, on s'est toujours demandé. Et Olivier Lebaz m'a toujours dit un truc, t'occupe pas d'eux, t'inquiète pas, le jour où ils voudront nous dire quelque chose, ils nous le diront, en bien ou en mal. Soit on sera défoncé, soit on sera honoré. Bon, ben voilà, il avait raison, ça a mis un temps fou à se faire, mais ils nous voient, ils nous regardent, ils n'ont pas que ça à faire, hein, attention. Et puis, il y a beaucoup de gens qui scrutent un petit peu vos blogs, vos sites internet, vos chaînes de James Bond. Ne vous inquiétez pas, ils voient tout, ils regardent tout. Donc, et Luc, si à un moment, il y a un dérapage, attendez-vous à vous prendre. À sortir les oreilles. Et Luc, j'aimerais qu'on se recentre un petit peu, parce que là, c'est vrai qu'on s'est un petit peu dispersé sur le pourquoi du comment, mais j'aimerais qu'on reparle un petit peu de l'événement du 9 octobre, parce qu'en fait, cette interview, alors on peut en parler, je pense que tu auras peut-être beaucoup de choses à nous dire, mais cette interview, finalement, si on veut la voir, le seul moyen, et tu me l'as expliqué tout à l'heure, c'est que le seul moyen de la voir, c'est d'être à l'événement le 9 octobre, parce que, a priori, tu m'as dit, alors, je doute de la véracité de ses propos. Tu m'as dit, après, on la met à la poubelle. Alors, j'espère bien que tu la mettras pas à la poubelle, mais tu n'as aucunement le droit de l'utiliser autrement. Alors, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que ils ont été très clairs dans un email que j'ai reçu la semaine dernière, quand ils m'ont envoyé le lien pour le téléchargement et tout ça, à moi tout seul. C'était eux, trois, quatre en copie, mais moi, j'étais le seul à le recevoir. C'est que cette interview, on la malaxe, je leur avais expliqué qu'on a été obligé de mettre des sous-titres et tout ça parce que tout le monde parle pas anglais sur le bateau et qu'on va mettre un panneau d'accueil et de fin, de remerciement, mais que cette interview, je n'ai pas le droit, même d'utiliser un extrait pour faire un teaser, je n'ai pas le droit. D'accord ? Ouais, tout est verrouillé en fait. Comment ? Tout est verrouillé, ils font hyper attention à leur image finalement. Donc, oui, mais ça on le sait. Je fais une parenthèse. À la fin de l'interview, vous le verrez, je les ai emmenés sur le terrain du futur et vous allez voir les masques avec un léger sourire qui sont… parce que j'avais été obligé de faire une promesse que je n'attaquais pas le terrain de Bond 26 et du futur. Puis, ça a été plus fort que moi à un moment, mais ça a été un monologue de ma part d'amener le sujet et ils n'ont fait qu'acquiescer, écouter. Je ne vous dis pas ce que j'ai dit, vous le verrez dans l'interview. Mais j'ai vu des masques de cire avec un léger sourire se greffer parce qu'ils sont en titane, ces gens-là. Ils sont impénétrables, quoi. C'est normal. Je vais même plus loin. Et vous en avez parlé dans une émission que j'ai vue la semaine dernière avec Laurent. C'est que je crois même que eux, ils savent pas où ils vont, avec qui, quand et comment. C'est tout. Partant de là. C'est même pas la peine que dans le monde entier on se dise ah ouais machin il serait super et puis ça y est ça va être truc, ça va être vite. Oubliez, il n'y a rien qui est écrit, il n'y a rien sur le papier, il y a juste une réflexion de dire on va aller dans ce sens là après on trouvera des scénaristes, un réalisateur
et accessoirement un acteur pour eux. Mais c'est normal, c'est normal, c'est pas pour tout de suite. On a un long moment à traverser et donc voilà, c'est. Donc cette interview, c'est le 9 octobre. C'est l'interview. Elle sera projetée sur le bateau et après, il y en a deux qui l'ont vue pour l'instant. Il y a Frédéric Albert Lévy qui a écouté toute l'interview et qui a écrit tous les textes en français. Et il y a Eric Saucin qui est en train de tout monter en ce moment. Pour avoir des sous-titres avec tous les propos qui sont tenus. Voilà, et puis moi, bien sûr. Même Jesse ne l'a pas vu. Ça ne sert à rien d'être vice-président. Jesse ne sert à rien. Ouais, ah, c'est bien ce que je me disais. Non, Jesse, ça te fait quoi de pas savoir? Est-ce que tu finalement t'as hâte d'être au 9 octobre? Est-ce que tu auras le plaisir de l'avoir avant? Ou est-ce que vraiment le 9 octobre, c'est the place to be, en fait, pour cet événement et pour voir l'interview, puis pour voir des tas d'autres choses. Enfin, je veux dire, je crois que vous nous réservez quand même un paquet de surprises lors de cet événement. Je veux dire, il y a une liste d'invités qui a été diffusée, et quels invités. Mais Jesse, toi, ça te fait quel effet, justement, de te dire il va falloir que j'attende encore, hein. Moi, ça ne me gêne pas, je suis patient. On a attendu notre time total 2 ans, donc attendre 2 semaines une interview de Barbara Michael, ça va aller. Mais cette interview, de toute façon, ça va être un des grands moments de cet événement, parce que d'une certaine manière, et qu'elles leur promettent, ils seront d'une certaine manière avec nous pendant une quinzaine de minutes, où est-ce qu'on aura nos propos à nous, et ça va être quelque chose de génial, mais c'est unique. Ils vont arriver, ils vont atterrir sur le bateau avec un parachute de l'Union, avec l'Union Jack. Atterrir une télé. Vous savez, c'est vrai ce que dit Jesse, et on va en être même au point où on va demander à chacun d'avoir la gentillesse de poser son téléphone sur la table. Parce que bon, on souhaite, et c'est très difficile à contrôler quand vous avez on est 250, là je ne sais plus combien, c'est très difficile à contrôler. Comment ? Non, mais une capture, c'est pas encore trop grave, mais voilà, il faut qu'on tienne notre parole de dire cette interview ne sortira pas. Elle est intéressante, l'interview, parce que vous allez voir, on aborde plusieurs sujets, on revient sur plusieurs choses. Ça dure pas longtemps, elle dure 13-14 minutes. Hein. C'est pas un truc de dingue, c'est tout à fait supportable. Mais bon, voilà quoi, c'est vraiment un cadeau qu'ils nous font, donc il faut respecter leurs conditions. Et donc, pour revenir sur ce que disait Damien, non, on va pas le jeter, on va la planquer quelque part et peut-être qu'un jour on la ressortira, mais dans plusieurs années, ou mon successeur, ou le successeur du successeur. Mais pour l'instant, on reste sur ce qu'on a dit, on la montre. C'est le cadeau pour le bateau, parce qu'ils devaient être là, ils ne sont pas là. C'est quand même dangereux d'espérer cette discrétion de la part de fans de James Bond. Comment tu sais qu'il n'y aura pas des GoPro planqués dans les cravates? Oui, non, mais c'est encore une fois, ils n'annoncent pas le nom du prochain acteur ou le titre du film, ou ils ne donnent aucun élément. On parle que des choses du passé. La première question, je leur demande… Quel est, à chacun d'entre vous, votre plus vieux souvenir bondien que vous ayez par rapport à James Bond? Et Barbara nous parle qu'elle était au Japon, elle avait 6 ou 7 ans pour le tournage de Nom de vie deux fois. Et Michael dit, il était jeune avocat, il a 21 ans, il est sur le tournage de Dr. No, un truc comme ça. Quoi. Bon, voilà, quoi, c'est… Voilà, on revient sur des choses comme ça. On parle des caméos de Michael Wilson. Je demande à Barbara, mais est-ce que vous êtes apparu un jour dans… Bon, vous verrez sa réponse. Je dis, parce que si vous êtes apparu, je peux vous dire que j'en connais un paquet qui vont regarder tous les films. Ah oui, ils vont faire des pour voir. C'est quand même une interview bon enfant, mais sur un sujet qu'ils connaissent par cœur et cet esprit de dire… C'est vrai qu'on est à la tête d'une franchise de dingue, quoi. Ouais. Et est-ce que tu crois que eux-mêmes sont des grands fans de James Bond, ou est-ce que c'est devenu un métier, ou est-ce que ça c'est quelque chose qu'on peut ressentir un peu dans l'interview? Est-ce que c'est des fans ou est-ce qu'ils font ça par habitude parce que c'est leur job et voilà? Non, c'est leur vie. C'est pire que ça, c'est leur vie. Parce que d'abord, ça fait tellement longtemps que ça dure. C'est un truc du père. Elle parle de Harry Salzman aussi et de d'Albert Broccoli. C'est un héritage. C'est un héritage énorme. Pas un héritage. Alors,
héritage financier, bien évidemment, mais un héritage culturel et de ces deux mecs qui en 61, se sont dit absolument qu'on acquiert les droits de Ian Fleming. Mais bon, et avec toutes les déboires qu'ils ont eus et tout, vraiment, ça et je crois qu'ils ont surtout l'entourage. Et c'est à ça que je voulais en venir, c'est qu'à un moment, pendant l'interview, je sentais qu'il y avait, dans cette petite salle, il y avait un petit peu du mouvement à côté, mais j'étais fixé sur eux, par respect, je les regardais. Puis à un moment, je jette un coup d'œil sur ma gauche, et en fait, il y avait tout le personnel, toutes les nénettes de chez E.ON, ben, qui sont descendues. Alors, je suppose pour me voir, parce qu'ils avaient entendu. Oui, probablement. Mais tout le monde était là. Quand je dis tout le monde, il y avait 12 personnes, dont une que je connaissais, qui était là pour voir l'interview. Et bien sûr, comme on l'a fait à la française, j'étais avec. Je vais vous raconter une histoire qui est un truc de dingue. J'étais venu avec une bouteille de vin pour Barbara, une bouteille de vin pour Michael, une bouteille de vin pour Stéphanie Weinberg, parce que grâce à elle et tous les échanges qu'on a eus, et des boîtes de chocolat que j'avais acheté à Deauville, de noisettes et d'amandes, un truc que j'avais payé une fortune, et pour justement un petit peu tout le monde. Donc, quand Stéphanie a donné les boîtes de chocolat, je ne vous dis pas la ruche, comment elle s'est jetée dessus, et Barbara ouvre son paquet, son fourreau, et c'était un Chassagne Montrachet blanc de 2016. Et elle regarde la bouteille, mais affolée, elle me dit, mais comment vous saviez que c'était mon vin blanc préféré? Et je lui dis, j'étais sur Google, Barbara, tout simplement. Et là, elle ouvre des yeux grands comme ça, elle regarde Stéphanie. Quand, sur Google, ils savent ce que je bois. Donc, je dis, non, je plaisante, Barbara, je déconne complètement. Non, c'est une chance extraordinaire que j'ai de vous avoir. Ah, j'adore le Chassagne Montrachet. Enfin bon, vraiment, on ne peut pas tomber mieux. Ou alors, c'est une bonne comédienne, je ne sais pas. Mais en tout cas, et lui, il avait une belle bouteille, mais lui, à mon avis, ça y est, elle est partie, la bouteille. Oui. Donc voilà quoi, mais non, c'est vraiment cette ambiance, un moment, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de faire partie d'une famille. Voilà, on fait partie de cette famille dont on, je dis on, nous tous, hein, c'est pas moi spécialement, c'est on, nous tous, de tout ce boulot qu'on a fait en France, nous, peut-être avant le club James Bond de Perionico, qui était aussi apprécié. Donc voilà quoi, c'est parce que ça dure depuis longtemps et la France a toujours bien honoré James Bond. Exactement. Et du coup, donc j'aimerais juste qu'on reparle vraiment de l'événement parce que je crois vraiment que c'est vraiment un très beau cadeau qu'ils ont fait au club. Et du coup, je vais m'adresser à Jessie pour qu'il nous rappelle un peu quand même cet événement. Alors, il y a une quinzaine d'invités, c'est ça, Jessie? Est-ce que tu peux rappeler un peu à tout le monde qui nous regarde tout ce qui va se passer le 9 octobre? Comme ça, on va laisser le président se reposer un peu, parce que depuis tout à l'heure, il parle, et toi, tu fais rien, tu écoutes. Donc voilà. Donc, mon cher Jessie… L'événement, c'est Jessie qui est responsable de l'événement. Si ça se passe bien, c'est… Et grâce à Luc. Si ça se passe mal, c'est de sa faute. Voilà. Donc, Jessie, tu vas nous parler un petit peu, tu vas nous faire un peu le résumé de cette journée du 9 octobre. Hein. C'est un petit peu toi le responsable si tout se passe mal, a priori. Donc… En tout bien, tout honneur, à toi, vas-y, nous explique-nous. Ça va très bien se passer. Il va se passer plein de choses ce jour-là. Ça va être une journée, je pense que les gens vont arriver, on va vraiment passer que des bons moments. Globalement, les gens vont arriver, hop, on prend un petit badge. Vous aurez un programme, vu qu'on a parlé un petit peu, c'est quelque chose de. Je pense qu'on n'a jamais fait un programme aussi beau. Très dans l'esprit d'ailleurs, 60s, donc vous aurez tous ça. Ensuite, du Bollinger, on ne va pas fêter 60 ans de James Bond sur le coupe de Bollinger. Donc, on va faire ça le temps, tout le monde s'attache, tout le monde arrive, les invités vont arriver, tous en même temps. Donc, ça va être un grand moment pour voir 60 ans d'histoire de la saga en même temps, parce qu'au final, on a quand même une invitée qui a tourné dans Bon Baiser de Russie en 63, c'est Martine Beswick, et on a les acteurs du dernier film. Donc, on couvre quasiment l'ensemble de la saga. Donc voilà, ensuite on va, une fois qu'on aura bien profité du Bollinger, on va pouvoir découvrir cette interview. Donc voilà, comme Luc l'a déjà dit, cette interview de Barbara et Michael, c'est la seule occasion de voir participer à cet événement, d'être sur ce bateau. C'est vraiment quelque chose d'unique et ça fait vraiment une part entière de cet événement.
Puis ensuite, on va avoir ce repas. Alors, j'ai plus de menu en tête, vous verrez, ça va être quelque chose de très, très sympa. On va faire la croisière en même temps. Donc, ça dure à peu près 2-3 heures. Et ensuite, ben, la partie que tout le monde connaît, on aura l'occasion de pouvoir aller à la rencontre de tous ces invités. Si on veut se faire signer un petit quelque chose, il y aura des photos disponibles dans la boutique. Vous pourrez faire des petits selfies. Ce sera l'occasion aussi de discuter avec eux, de les rencontrer. C'est quand même ça le but aussi. Hein. On va essayer d'ailleurs au niveau des tables, il y en a des invités qui seront un petit peu partout. Donc, ce sera l'occasion aussi de pouvoir les croiser. Donc, on a aussi des partenaires à cet événement. Donc, on a la société Open Immobilier qui nous sponsorise, qui ont fait un petit peu de pub en échange, qui nous ont aidé un petit peu à l'organisation. Et on a aussi la maison de cognac à Bécassis qui va venir à la fin du repas nous faire découvrir un petit peu une partie de leur gamme. Donc, ils font du cognac. Ce sera des cognacs plutôt pour le digestif, parce qu'ils font aussi des cocktails, mais là, on ne peut pas non plus tout choisir et tout faire. Donc, voilà. Au milieu de tout ça, on aura d'autres diffusions de clips. Il y aura un photocall. On va faire des petites photos. On va vraiment essayer de marquer le coup. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir amener des souvenirs avec lui, mais aussi des souvenirs vraiment concrets. Et puis tout ça, ça va se finir vers 17h30, 18h, de manière tout à fait sympa pour avoir le temps d'échanger. Il y aura donc de disponible, Luc en a parlé un petit peu aussi, un magazine spécial qu'on sort pour notre anniversaire, un magazine spécial 25 ans. Donc, ce magazine sera offert à tous les adhérents du club qui participent à l'événement. Les personnes qui participent à l'événement, qui ne sont pas adhérents, pourront acheter le magazine sur place. Et les adhérents qui, malheureusement, ne peuvent pas participer à l'événement pourront l'acheter dans la boutique un peu plus tard. S'il en reste, il en restera. Donc, le mieux, c'est quand même de participer à l'événement pour avoir l'occasion de découvrir ce beau magazine. C'est vraiment un magazine qui retrace les 25 ans d'histoire. On a tout qui est raconté. Moi, j'ai vu la maquette. On peut remercier encore Jean-François Rivière qui n'a pas encore réussi à nous faire un magazine moche. Ils sont toujours plus beaux les uns que les autres. Donc, franchement, on peut le remercier. On parlait tout à l'heure de magazine de qualité. Je pense que Jean-François Rivière, c'est vraiment celui qui... C'est une locomotive, mais une locomotive de TGV. Il nous fait des trucs de fou à chaque fois. Donc, voilà, ça va être un événement unique. Inscrivez-vous, il reste voilà, quelques places, une trentaine de places encore. Ça s'inscrit encore. Donc, on a encore des gens qui nous posent des questions, qui attendent leur emploi du temps, mais on va être, c'est le plus gros événement de toute manière qu'on a jamais réalisé. Bah, écoutez, maintenant qu'on a fait un peu le tour donc, de l'événement du 9, on a regardé un petit peu l'interview. Je crois que Dominique, tu voulais prendre la parole un petit peu. Tu voulais dire quelque chose, je crois. Bah, j'aurais déjà aimé demander à Luc comment a pu se conclure ce rendez-vous, comment a-t-il quitté les lieux de Éon et comment il s'est senti juste après. Est-ce que Luc, tu, au-delà d'être le président du club, est-ce que tu as retrouvé, enfin je pense que tu n'as jamais perdu ton âme de fan et ton âme d'enfant, qu'est-ce que tu as fait juste après? Est-ce que tu as cavalé dans les rues de Londres comme un enfant, comme moi j'aurais pu le faire finalement, parce que oui c'est un plaisir inattendu, inespéré comme tu disais tout à l'heure de fan, mais voilà, quand tu te replaces en perspective avec l'enfant, le gamin, le fan que tu as été, voilà, juste après un rendez-vous avec Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, comment on se sent? Ben, on se sent, oui, t'as raison, je l'ai pas fait quand je suis sorti, mais j'aurais pu faire un parallèle de quand j'avais 12 ans et que mon père m'a emmené voir le pistolet d'or à Lille et puis de me retrouver 48 ans après en train de parler avec les producteurs, enfin les ayants droit de la saga, pour venir les interviewer chez vous. C'est vrai que j'aurais pu tirer un trait d'un point à l'autre, c'est cocasse, comme dirait notre cher ami OSS. Mais quand l'interview s'est terminée, je vous l'ai dit, cérémonie de cadeau, tout ça, et je me suis dit, tiens, ils vont m'en faire un. Non, voilà. Et donc Barbara et... J'ai dit à Barbara, est-ce qu'on peut faire une photo pour teaser un petit peu. Bon, bien sûr, on s'est mis dans l'escalier, là où il y a les affiches des films, et donc on a fait la photo que vous allez peut-être revoir là et que vous avez déjà vu sûrement. Et tout le monde m'a raccompagné jusque dans l'entrée, re-cérémonie de bise, et merci d'être venu, et à bientôt, je l'espère. Et voilà, et je me suis retrouvé dedans, et j'ai fait une petite vidéo dans l'émotion ouais, du truc, parce que c'est beau ce jour-là, voilà, j'étais dehors, ça y est, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait là, cette dernière heure, je suis resté 40 minutes à peu près, hein. Donc voilà, un peu dans les cordes hein, quand même.
C'est court. Même pas à me dire, bon, il faut que tu chopes un taxi, il faut retourner à Saint-Pancras. Bon, voilà, j'ai fait cette vidéo dans le move, et puis après, le téléphone a commencé à sonner dans tous les sens. Tous les copains, un peu, ont voulu savoir. J'ai d'abord parlé à Jesse, c'est normal qu'il soit le premier à savoir comment ça s'était passé. Et puis voilà, quoi. Et c'est après, quand j'ai vu tous les messages arriver, quand on a annoncé qu'il y avait eu cette interview et tout ça, j'ai dit, ouais, c'est quand même pas un truc anodin qui m'est arrivé, quoi. C'est quand même, comme m'a dit Pierre Rodiac, dans un mail, il me dit, après un truc comme ça, tu peux mourir, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer, quoi d'autre? Oui, c'est bon, on va essayer de faire d'autres trucs, quoi, puis pas mourir tout de suite, mais oui, il y a une émotion, il y a un truc, et j'y pense là en ce moment tous les jours, là, encore plus avec vous tous, mais j'y pense, tiens, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu. Voilà, mais c'est des moments qui vont tellement vite que bon, il faut en profiter, et j'en ai profité. Donc, on a cru voir passer. On a cru te voir passer une petite visite chez le concessionnaire préféré de James. Oui. Tu as visité le musée Aston Martin, c'est ça ou tu as... Oui, c'est-à-dire qu'on a eu un truc à Pinewood le 14, le dimanche 14 de septembre. Et le lendemain, j'avais prévu, j'étais avec Jean Goyette, notre cousin canadien, et Philippe de Burf, dont vous entendrez parler très bientôt, on avait décidé d'aller à Newport-Pagnell, à l'usine mère d'origine d'Aston Martin. J'avais pris rendez-vous, parce que je suis un peu en discussion avec eux en ce moment pour un truc de l'année prochaine. Donc, ils nous ont fait visiter le musée et ils nous ont fait visiter les ateliers. Et j'ai vu des millions de dollars d'Aston Martin et des B5 et des B6 et de AMV8 et des trucs de dingue de carrosserie, de peinture, de mécanique. Voilà, ils nous ont fait visiter toute l'usine et donc on a passé une petite matinée, enfin 2 heures, 2 heures et demie à regarder tout ça. Et oui, ça concluait bien une visite à Pinewood, Aston Martin le lendemain, une semaine après les producteurs. Oui, ça a été saison assez riche, on va dire, 2023. Ouais. 2022, pardon. Ouais. Et je pense que tu t'es trompé dans la date, c'était le 14 août plutôt que 14 septembre, mon cher président. Oui, pardon, oui, je me permets de te reprendre, excuse-moi. Ouais, très bien. Juste une bricole. On a visité avec Jessie le bateau la semaine dernière. C'est le plus gros bateau qui est sur la Seine, façon bateau-bouche. Il est énorme. Même si on est 250, 300, 350, on va pas se marcher dessus, puisque même sur le pont inférieur, on arrive à installer les tables pour déjeuner et les tables pour les signatures. Hein. Tu m'arrêtes si je me trompe, Jessie, mais le bateau, c'est un truc de dingue. Moi, je voudrais qu'on… Vous avez vu toute la liste des invités. Je leur ai écrit dernièrement, tout est cadré, tout est… j'ai eu la petite Colline au téléphone avant-hier avec sa mère, donc… Voilà, tout est vraiment cadré. Ils arriveront uniquement quand vous serez tous montés sur le bateau. Mais ça, j'attendrai un go de Jesse ou d'Olivier. Je voulais juste rajouter une bricole, c'est qu'il y a Kim Sherwood qui sera là, donc écrivain du bouquin qui est sorti là le 1er décembre. Et si vous le souhaitez, on a commandé, comme c'est un bouquin qui ne sera pas traduit en français, on a commandé 50 bouquins qui seront sur le bateau, que vous pouvez pré-réserver pour que Kim Sherwood vous le dédicace ce jour-là. Donc voilà, c'est 50 bouquins, on ne sait pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais j'ai l'impression que moi je pense qu'on n'a pas pris assez. Mais bon, voilà quoi. Donc vous pouvez pré-réserver, adhérent ou pas adhérent, peu importe, vous pouvez pré-réserver le bouquin, il sera disponible sur le bateau. Et du coup, mon cher président, comment fait-on pour pré-réserver le bouquin? On envoie un mail à la boutique? Voilà, vous écrivez à la boutique et c'est 29 €, hein, Jessie, de mémoire. Une photo et les dédicaces. On fera voilà. Sur le bateau. OK. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a vraiment fait le tour de la question. Je vous remercie tous d'avoir été présents ce soir. On se dit au 9 octobre alors finalement.
On se verra tous le 9 octobre. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Ciao.